such a crowd, with such a determined population, I'm sure that we'll meet the target. We will win come 7 October 2018. We will win that. Nobody, no one will cheat our vote. We don't allow anyone to cheat on us. So be ready and don't be afraid. The time is now. The time has come. Change is going to come in this country. Be ready. Mes chers amis, chers compatriotes, mes frères et sœurs, il ne dit pas, c'est le cœur qui parle. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à tirer le pénalty. Je suis prêt à être le troisième président de la République du Cameroun. Nous sommes prêts à diriger le pays. Nous sommes préparés à diriger le pays. Nous avons des solutions pour le pays. Pour combattre la souffrance des jeunes. Pour combattre la souffrance de nos populations. Je suis prêt. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas intimider ou influencer par la vantardise. La vantardise de ceux qui ont couvert les murs de toutes nos villes avec le portrait de quelqu'un qui n'est jamais là. On ne gouverne pas par les images. On gouverne en allant à la rencontre de sa population. Je suis venu parce que je me battrai à vos côtés jusqu'à la gare, jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Rassurez, rassurez ceux qui ont peur du changement. Avant M. Paul Biya, il y avait la paix au Cameroun. Après M. Paul Biya, il y aura la paix au Cameroun. Nous assurerons la paix dans ce pays. Nous garantirons la paix dans ce pays. Parce que nous allons rassembler les Camerounais. Je vous ai dit, dès que vous m'aurez porté à la tête de ce pays, ma première sortie sera dans le nord-ouest et le sud-ouest pour régler le problème. I want to tell you this evening, it is my commitment. They are our brothers and sisters, and we miss them. I love them, and I definitely miss them. So, we will make sure that they come back, they come on board. They are citizens of this country, proud citizens of this country. N'ayez pas peur. Dites-leur aux fonctionnaires, dites-leur aux forces de défense, dites-leur aux forces de maintien de l'ordre que nous ne faisons pas la politique de la haine. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous leur tendons la main avec eux, nous travaillerons pour que notre pays soit sur de bons rails. Dites-leur que je compte sur eux. Dites-leur que s'ils veulent prendre le thème de la Renaissance, alors, les pères de la Renaissance les attendent, ils ont toute leur place. Voilà des gens qui vous disent qu'ils luttent contre la corruption. Ils ont inscrit 50 milliards au budget de l'État pour organiser les élections cette année. Et ils nous ont appelés pour nous donner 15 millions de francs. Même pas les 30 millions, même pas les 30
l'argent que nous avons payé pour le cautionnement. Et nous avons dit, nous refusons. Gardez cela. Le peuple camerounais va lui porter le pouvoir. Nous irons partout dans notre pays. Nous irons à pied s'il le faut. Nous irons à bicyclette. Mais nous allons gagner cette élection avec notre peuple. Parce que notre peuple est prêt. Il est prêt pour le changement. Allez leur dire que le temps est arrivé où un soleil nouveau va se lever sur le Cameroun. Allez leur dire, c'est le moment où l'espérance va retrouver dans le cœur des Camerounais la prière que vous avez faite depuis de nombreuses années. La prière que vous avez faite va être exaucée le 7 octobre prochain. C'est le rendez-vous de l'histoire. C'est le rendez-vous de l'histoire. Nous ne jetterons personne à la mer. Qu'ils soient rassurés. Ce que je dis, Monsieur Paul Biya, président de la République, a donné tout ce qu'il avait à donner. Aidons-le le 7 octobre prochain à aller se reposer. Aidons-le à aller se reposer en paix. J'ai dit, et je vous le redis ici, que l'on n'aille pas mentir aux Camerounais dans les quartiers. Même si certains d'entre vous pensent le contraire, suivez-moi. Je vous supplie d'être d'accord avec moi pour que nous disions tous ensemble que dès que nous avons pris le pouvoir, nous assurerons la protection du président Biya et de sa femme. Rien ne leur arrivera. Rien ne leur arrivera. Mais qu'il laisse le Cameroun, qu'il laisse le Cameroun avancer, qu'il laisse le Cameroun avancer. Qu'il nous permette de donner une chance à la jeunesse camerounaise. Qu'il nous permette de donner un avenir à nos enfants, à la jeunesse camerounaise. C'est mon combat, c'est pourquoi je suis debout. Et je peux vous promettre, personne ne m'empêchera de me battre, de lutter à votre côté jusqu'à la victoire. Je serai à vos côtés. Le plus grand cancer qui détruit le Cameroun, qui mine notre pays chaque jour, a un nom terrible. Il s'appelle le tribalisme. J'ai dit, j'en ai fait un combat de ma vie. Tous ceux qui me connaissent dans tous mes livres, dans tous mes actes passés, savent que je lutte chaque jour dans mes actes contre le tribalisme. Et nous ne laisserons jamais ceux qui ont ourdi un complot, ceux qui veulent détruire notre pays avec ce cancer triompher. Nous ne leur permettrons jamais de gagner. Je me bats pour Oumarou, pour Ousmane, pour Atanaou Zanga, pour Domche Oussimo, pour Ekpala ou Kinyé. Je me bats pour Doumé, je me bats pour les Camerounais de tous les coins du pays. C'est eux qui m'intéressent et je me battrai pour eux jusqu'à la fin. Je n'attends pas et je n'attendrai pas qu'on m'amène des rapports sur la situation à Velé. Je n'attendrai pas qu'on m'amène des rapports pour connaître la situation de Bibé. Je n'attendrai pas qu'on m'amène un rapport pour connaître la situation de Djoum ou de Veil. Je n'attendrai pas. J'ai été là. J'ai rencontré ma population. Je sais qu'ils vivent dans la souffrance.
Elle manque d'eau potable. Elle manque d'eau potable. Elle manque d'électricité. Les enfants s'assoient par terre pour suivre les cours. Ils n'ont pas d'enseignants. Il n'y a pas de route pour y arriver. Je suis allé partout. Disons tous ensemble, ouais. Cela va finir. Cela va finir à partir du 7 octobre prochain. Vous avez vu? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alors quand je dis Cameroun, vous dites Renaissance. Cameroun! Renaissance! Cameroun! Renaissance! Cameroun! Renaissance! Oui, le Cameroun va renaître. Avec vous, le 7 octobre prochain. Je ne peux pas dormir tranquille en sachant que des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais. Notre armée, notre vaillante armée a été formée pour défendre les frontières de notre pays, non pas pour aller tirer sur d'autres Camerounais. Nous allons mettre un terme à cela. Je ne peux pas dormir tranquille en sachant que des Camerounais ramassent des flaques d'eau de pluie sur la route pour boire parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Je ne peux pas dormir tranquille en sachant qu'à Bibé, dans la Haute-Sanaga, non loin de Nanga et Boko, il y a un arrondissement, une ville qui n'a jamais vu ni de l'eau potable, ni de l'électricité, ici dans le centre. Oui, je me suis engagé pour qu'ensemble, vous et moi, nous mettions un terme à cela. Quand je vous regarde aussi nombreux, je suis confiant. Parce que votre présence aussi massive ici ce soir, même en bravant la pluie, me donne les assurances qu'ensemble, nous allons écrire une nouvelle page. Regardez, regardez cette jeunesse brillante, extraordinaire. Regardez ces enfants. Est-ce que nous avons le droit de leur donner pour cela l'avenir le Benzikin? Le pont brisé, le colbox. Je veux non seulement que vous alliez à l'école, mais que ceux qui sont partis de l'école très tôt soient formés, bien formés, que chaque jeune Camerounais ait un métier. Et s'il ne trouve pas un emploi, nous l'accompagnerons, l'État l'accompagnera en lui permettant de s'installer pour exercer son activité. Où un petit groupe d'individus contrôle tout, confisque tout, c'est terminé. Je suis professeur d'université, j'ai dirigé la faculté de droit pendant 6 ans. Pendant 6 ans, je suis professeur à Lyrique, mais je n'ai jamais mis au code mes enfants, ni à Lyrique, ni à l'ENAM, ni à l'école normale, ni à l'école de police, ni nulle part. Parce que je n'utilise pas les faveurs. Je veux que le soleil brille pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais. Ils mettent leurs enfants partout. Ils mettent leurs familles partout. Au point de proclamer majeur premier à un concours quelqu'un qui est mort. Voilà la vérité de notre pays. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Donc, il ne faut pas ceux qui veulent le mal du Cameroun et qui se cachent sous des masques et qui écrivent, empoisonnent l'espace public avec leur venin, qui chaque jour, depuis 7 ans, m'ont abreuvé d'injures, de mensonges, d'insultes, de calomnies. Je ne leur réponds pas parce que j'ai confiance en votre intelligence. J'ai été
doyens pendant 6 ans. Ils ont mené des enquêtes, ils n'ont jamais rien trouvé. Parce que avec une faculté où il n'y avait pas d'argent, nous avons redressé la faculté pour qu'on respecte à nouveau les diplômes du Cameroun à l'étranger. Et tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est de chercher à me salir. Mais ils ne réussiront pas, parce qu'ils ne réussiront pas, vous ne les permettrez pas. Si j'avais pris un seul centime des fonds publics, un seul, je ne serais pas devant vous. Je serais en prison depuis longtemps. Mais je n'ai pas. Ils le savent. Ils le savent. Ils viennent vous intoxiquer avec des chiffres inventés. 14 milliards. On a publié tous les documents et ils continuent à brandir cela. Parce qu'il va pouvoir vous tromper. Mais vous êtes majeur, lucide et intelligent. Ne vous laissez pas abuser. Il faut qu'ils cherchent. Ils peuvent passer des années à chercher. Ils ne trouveront rien. Parce que j'ai mis ma conduite, la conduite de ma vie, en accord avec les principes que j'enseigne aux étudiants. J'enseigne aux étudiants qu'on ne touche pas à la chose publique. Et moi, je ne touche pas à la chose publique. Je ne touche pas à la chose publique. Et c'est pourquoi, allez dire partout, j'ai dit que, président de la République, le premier texte que je vais signer, c'est le texte sur la déclaration des biens et avoirs. Parce que je vais l'appliquer à moi-même. Je vais déclarer mes biens et avoirs avant d'entrer en fonction. Ils ne peuvent pas contester mon intégrité. J'ai travaillé non seulement au Cameroun, mais à l'étranger. J'ai travaillé pour de nombreux États étrangers, des gouvernements. Personne à aucun moment n'a jamais mis en doute mon intégrité. Qu'on ne vienne pas vous inventer des choses. Ils ne trouveront rien. Ils peuvent passer toute la vie dessus. Ils savent. Mais ils n'ont pas le courage de leur dire pourquoi. Parce qu'ils savent que vous allez me porter à la présidence de la République. Voyez à quel point ils sont malhonnêtes. Ils sont intellectuellement malhonnêtes. J'ai travaillé quand j'ai dit que le président de la République avait bien géré, dans le cadre du dossier Biakassi, ses responsabilités. On m'a tourné en ridicule en disant que j'étais en pamoison devant lui, que je respectais, que je le flattais. Quand j'ai redit ça, 14 ans plus tard, j'ai redit la même chose parce que je suis un homme constant et honnête. Cela ne me diminue pas. Mais cela n'empêche pas que je sois en désaccord avec lui sur la manière dont il gouverne le Cameroun. Je constate que la même réactivité, la même perspicacité dont il a fait preuve dans la gestion du dossier Bakassi, il ne le fait pas dans la gestion et le développement du Cameroun. C'est ça mon désaccord. Je ne peux pas accepter que mon peuple reste dans la misère dans un pays aussi riche. Je voudrais vous dire, nous allons mettre un terme à cette situation où j'étais il y a une semaine dans le sud. Nous avons compté le soir 220 grumiers passés avec le bois camerounais. 200 en un soir, et c'est comme ça tous les jours. Et on vous dit qu'il n'y a pas de l'argent au Cameroun ? Quand j'étais à l'école primaire, on parlait déjà de l'or de Betareya. Et on continue de l'exploiter. Maintenant, on nous dit qu'on a découvert de l'or, même à Ezeka. Et on dit qu'il n'y a pas de l'argent au Cameroun. Le gouvernement lui-même a dit il n'y a pas très longtemps qu'on a découvert dans notre pays un des gisements de diamants les plus importants au monde, à Mobilon. Et depuis, nous demandons. Ce diamant-là est devenu quoi? Et on nous dit qu'il n'y a pas l'argent au Cameroun? Qu'il nous laisse un peu tranquille. Qu'il nous laisse tranquille. Et partage les richesses que Dieu a mis ici, donne pour chacun. Et qu'il faut qu'il donne pour chacun.
Trop, c'est trop. On va mettre un terme à cela. Je ne vais pas développer ici en détail mon programme, parce que vous le connaissez. Vous connaissez mes vidéos. Vous connaissez les cinq piliers. Parce que je ne suis pas venu vous détailler cela, vous trouverez tout dedans. Mais notre programme, mes chers amis, c'est le seul programme qui est chiffré. Je dis qu'on va faire telle chose et je montre comment on va financer. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour financer. Donc ils ne viennent pas vous raconter des choses. Nous avons fait un programme réaliste, réalisable. Nous n'arrivons pas au pouvoir pour tâtonner. Nous n'arrivons pas au pouvoir pour chercher par où on va commencer. Dès le premier jour, nous savons ce que nous allons faire. Dès le premier jour, pour répondre aux attentes des Camerounais. Dès le premier jour. Et je vous ai dit, je voudrais dire ici, que la jeunesse est au cœur de mes préoccupations. Et vous pouvez regarder, même dans la direction de notre parti, il y a au moins trois vice-présidents qui sont des jeunes. Filles comme garçons. Mais j'ai dit que demain, quand vous m'aurez fait l'honneur de faire de moi le troisième président de la République du Cameroun, je donnerai à la femme camerounaise toute sa place. Toute sa place. Elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là seulement pour applaudir. Lorsqu'elle a des compétences, elle sera nommée aux plus hautes responsabilités. C'est une dame brillante qui a redressé l'économie du Nigeria comme ministre de l'économie et des finances. Madame Ngozi, elle était une des vice-présidentes du Fonds monétaire international. On a des compétences parmi les femmes camerounaises. C'est une jeune dame camerounaise qui est secrétaire général de la Commission économique pour l'Afrique, c'est-à-dire qui regarde l'ensemble des problèmes économiques de l'Afrique. Est-ce que nous pouvons nous permettre de nous passer, de nous priver des compétences d'une telle femme? On doit l'appeler, qu'elle vienne travailler pour son pays, pour que ça marche. Qu'on avance. Je veux toutes les synergies. Je veux toutes les compétences, je veux toutes les contributions, mais je voudrais vous rassurer, mes chers amis, nous faisons la politique sans haine, nous faisons la politique sans désir de revanche. C'est pourquoi j'ai dit, je tends la main, et d'abord à mes frères de l'opposition, je leur tends la main pour qu'ils se rendent compte que nous sommes à un moment critique. Nous ne sommes plus qu'à 6 jours de l'élection. Et nous pouvons encore, en nous parlant, en faisant un effort sur nous-mêmes, même si ces deux candidats présentaient au peuple camerounais un candidat qui porte l'espoir de l'opposition. Moi, je n'ai pas cessé de travailler là-dessus. Et j'ai bon espoir, peut-être que ces discussions pourront aboutir à quelque chose dans les jours à venir. Mais nous devons y travailler. Nous devons y travailler sans préjugés. Nous devons y travailler en nous demandant qui parmi nous est celui qui a le plus de chances, là, maintenant, de conduire l'ensemble du peuple camerounais à la victoire. Merci, merci. Nous devons nous poser cette question. Vous savez très bien, je n'ai jamais méprisé personne. Je n'ai jamais tenu de propos discourtois insultants vis-à-vis d'aucun candidat de l'opposition. Jamais. C'est pourquoi je garde toujours la porte ouverte. Il ne faut pas qu'on aille chercher des faux fuyants, qu'on aille chercher des prétextes. Si nous sommes sincères, je crois que nous pouvons objectivement dégager parmi nous à ce moment précis. Quand il y a un pénalty crucial dans un match, ce ne sont pas les 11 joueurs qui tirent le pénalty. Quand il y a un pénalty crucial dans un match, on sait que quand il y a un pénalty crucial,
On sait que plusieurs joueurs sont de bons tireurs de pénalty. Mais on sait qu'il y en a un qui ne va pas rater. C'est à lui qu'on confie le soin de tirer le pénalty. J'ai dit que je serai votre tireur de pénalty. Je serai votre tireur de pénalty. Et je dis à nouveau que mes autres amis de l'opposition viennent. Nous ne cherchons pas le pouvoir pour gouverner seul. Sinon, nous n'aurions pas fait la coalition avec Eric Inge et les autres partis alliés, avec Penda et Coca qui a une association importante qui s'appelle Agir, avec Balsero qui a une association très puissante de jeunes de la révolution que nous connaissons tous. Nous, le défi qui se pose à nous au Cameroun est immense et veut que nous associons les talents. C'est pourquoi je tends la main, même au RDPC, les militants du RDPC qui sont prêts à venir dans le changement, qu'ils viennent, on va changer notre pays ensemble. Ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, on va changer notre pays. Ils viennent. Le 7 octobre prochain, ce n'est pas une élection de parti politique. Ce n'est pas une élection de parti politique. C'est le choix du président de la République pour les années à venir. C'est un choix qui interpelle les Camerounais au-delà des partis politiques. Et chaque citoyen camerounais, quel que soit son parti politique, doit se dire, qu'est-ce que je veux pour moi-même et pour mon pays dans les années qui viennent? Et qui est celui qui est le plus en mesure de porter cette espérance jusqu'à la victoire? C'est pourquoi j'ai dit, tous les partis politiques, après avoir tendu ma main, après avoir ouvert mes bras à tous les dirigeants, à tous les candidats de l'opposition, j'ouvre les mains, j'ouvre largement mes bras à tous les Camerounais. Le 7 octobre prochain, je vous en supplie, donnons une chance à la jeunesse camerounaise. Donnons une chance à nos enfants. En réalité, nous battons pour qui? Moi, je me bats pour les jeunes Camerounais. Je me bats pour la Bayam Salam qui se lève à 4 heures. Je me bats pour la ménagère de Kribi qui chaque jour trouve que les prix de produits deviennent de plus en plus chers. Et que lorsqu'elle rentre du marché, elle a le visage triste parce qu'elle n'est pas sûre de préparer à manger pour sa petite famille. Je me bats pour le petit fonctionnaire de Yaoundé comme celui de Kousseri ou de Bamenda. Je me bats pour le petit commerçant de Limbé ou de Boya. Je me bats pour chaque Camerounais. Ceux qu'on ne voit jamais, les petits, les grands petits, les petites mains qui font pourtant avancer notre pays. C'est pour vous que je suis debout. C'est pour vous que je me suis engagé en politique. Les gens me demandent parfois, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-dedans? Je dis, je suis allé me battre avec mon peuple parce que j'aime mon peuple, j'aime les Camerounais. Oui, président, oui, président, c'est ça, président. On ne te laissera pas. Le 7, tout ça est tout dit. Sachez que le 7 octobre prochain, nous allons faire le Cameroun passe d'une ère où il y a des gens. Moi, j'étais partout dans le pays. Est-ce que vous savez que dans de nombreuses régions de notre pays, il y a des gens qui vivent encore dans des maisons couvertes en natte? Quand il pleut, ils ne savent pas où ils vont se mettre. Quand il pleut, ils déplacent leur lit. L'eau tombe par ici, déplace le lit par là. L'eau tombe par là, il déplace le lit. Ici, au Cameroun, nous avons les images partout. Pas plus tard que hier, je sais. Le développement, c'est quoi? Le premier indice du développement, c'est lorsqu'on donne des réponses adéquates aux besoins de base de la population. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à un habitat décent. Si vous faites cela pour votre population, vous pouvez considérer que vous êtes un pays développé. Le développement, ce n'est pas seulement les gratte-ciel, c'est la population. Comment est-ce que la population vit? Il faut donc nous battre chaque jour
pour élever le niveau de vie des populations. C'est pour cela que les nationalistes camerounais sont morts. C'est pour ça que Ruben Oumniobé a donné sa vie, Ernest Wandié, Osende Afana, et que sais-je encore. Pour eux, nous n'avons pas le droit de trahir leur lutte. Nous devons améliorer le standard de vie des populations camerounaises. Et pour les femmes, je voudrais dire ceci. J'ai dit, et à ce moment-là, nous n'avions pas encore la tragédie de Madame Koumateke. J'ai dit, et je le redis ici, l'une des premières mesures que nous prendrons dès que nous accéderons au pouvoir, c'est que à partir de 2020,